Hop là. Coucou les loulous, une petite vidéo de Saint-Georges-sur-Layon. Je vais essayer de pas être trop long. Donc ici c'est un spot, c'est un énorme spot de tango. En tout cas c'est une toute petite ville, mais il y avait quand même une vingtaine de couples à la pratique dirigée lundi, c'est pour dire. Et ça envoyait quand même, il y avait du danseur. Alors, moi je suis en pause administrative, donc là je vais envoyer des mails, je vais envoyer des textos, je vais appeler des gens, je vais vous saouler parce que j'ai pas beaucoup de temps pour l'administration, donc je vais certainement être un petit peu dense sur l'activité aujourd'hui. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, alors comment on organise une étape? Parce qu'au final j'ai l'impression que c'est pas très clair. Alors déjà le tour, vous connaissez pas. Donc le tour Tango Mobile, l'idée c'est de faire un documentaire. Je tourne partout en France, on fait un documentaire sur c'est quoi le tango aujourd'hui. Il faut que tout le monde puisse y être, toutes les régions, il faut que les petites assos puissent y être, les grandes assos puissent y être, qu'on parle au maestro, mais qu'on parle aussi des danseurs de balle, qu'on parle de la situation des profs, qu'on parle des styles, qu'on parle de la musique, qu'on parle des groupes de musique live qui avancent aujourd'hui, etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup à faire, et pour ça, eh bien, j'ai besoin que vous m'invitiez. Voilà. Alors comment ça se passe? Donc déjà, ça vous plaît, ça vous plaît pas. Ça vous plaît pas, si je vous envoie un mail, répondez-moi. Dites-moi juste, ça vous intéresse pas et c'est calé. Je dégage la date, je dégage le lieu et ça va aussi bien. Ça vous plaît? Comment on fait? Essayez juste de m'envoyer des données, un chouïa précise et voir plusieurs possibilités de passage. En pratique, en milonga, en stage, voilà, je viens, je pose la caméra, très bien, mais juste, je ne peux pas faire 600 km dans une journée, c'est très compliqué, et j'essaye quand même de tracer des courbes, des boucles au moins. Voilà, il y a plusieurs choses, donc il faut gérer l'hébergement, ça c'est une première chose, ça en général c'est pas trop compliqué. Il y a un aspect parfois financier, alors c'est pas du tout que j'impose quoi que ce soit, mais je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche, malheureusement, je vis déjà plus de bière que d'eau, ça c'est mon petit côté ch'ti. Et donc j'essaye de poser, pas à toutes les étapes, mais au moins une fois dans la semaine, quelque chose qui permette de soutenir financièrement le tour, donc ça peut être un stage, un atelier, une pratique dirigée, un truc au chapeau, voilà, il n'y a pas de, y a pas d'obligation. Il y a juste qu'il faut quand même que ce truc puisse un tout petit peu rouler. Voilà, parce qu'il y a quand même des dépenses matérielles, énergétiques, tout ça. Que dire d'autre? Juste envoyez-moi donc vos propositions sur tangokiosk@gmail.com, T-A-N-G-O-K-I-O-S-K. Vous pouvez aussi m'appeler, le numéro de téléphone, il est trouvable, je ne donne pas en vidéo, mais il est trouvable sur le site de l'association Tango Kiosk, même nom. Voilà. À bientôt et on va essayer de faire un beau parcours. Là, je pars en Bretagne, il me manque encore des dates. Lannion, Saint-Brieuc, Pagnouse. Je sais que Alcampas des Corassins, vous êtes. Voilà, c'est le festival. Je sais bien que vous ne pouvez pas être partout, mais il va falloir qu'on essaye de. Enfin, en tout cas, j'aimerais bien, moi, vous rencontrer. Et juste après le festival, je suis de passage, donc on peut essayer de faire quelque chose et poser une caméra. Voilà. Et après, retour vers le centre. Puisque je vais descendre jusqu'au Puy-en-Velay, enfin là ça va monter plutôt, le 18 mai. Et entre les deux, il y a plein de possibilités. Hein. Je vais certainement passer par Dijon, parce que j'ai envie d'aller revoir Carolina qui donne un stage, qui fait un gros week-end là-bas, Carolina Ludovico. Voilà, il y a des gens que je suis aussi un tout petit peu plus dans le tour parce que leur boulot m'intéresse. Voilà, mais c'est pas dit que ça change à l'intérieur du tour et que j'ai plusieurs comme ça personnages que je vais suivre tout au long. Il y a Steph aussi, Steph Lee, qui par le hasard en fait se retrouve sur la route du tour, aussi, et ça faut que je le dise parce que l'Ouest français aujourd'hui c'est un spot de malade. Il y a un triptyque Rennes, Nantes, Poitiers, Tours, qui bouge quoi, qui bouge et qui pousse les murs, qui ouvre le tango, c'est super. C'est un petit peu plus compliqué pour entrer en dialogue vers le sud. Il y a eu de très belles choses dans le sud, mais c'est moins évident à organiser. Et alors sur la partie est de la France, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai 4-5 propositions, mais pas de quoi faire un parcours en 20 étapes. Et alors là, je compte sur vous, vous sortez les bigots, vous appelez les copains et puis on fait bouger ça. Bon, il y a du vent, on s'arrête là. Tchou !